gen an pil compatriote revyo se ta al visite peyi les États-Unis. Mais an pil fwa, nou toujou met nan tèt nou, jwenn yon visa tourisme pou al visite peyi les États-Unis, li preske impossible pou nou ta jwenn yon visa. Mais n'a pas bloqué plusieurs fois gen an pil moun ki fè tentative pou jwenn visa, yo rive pran refus. Eh bien, c'est à cause que yo manke connaissance de comment yo doit présenter demande là, de qui papier que y a besoin, de qui façon que yo doit habiller là yo pral entrevue, à un pilote cause encore qui qu'on fait que nous pas joindre visa juste pour nous capable à visiter pays les États-Unis. Eh bien, c'est ça que fait dans vidéo ça. Moi pral expliquer qui tout document que ou a besoin pour faire demande visa tourisme et comment que ou capable faire processus yo. Restez sur vidéo ça jusqu'à la fin. Yon façon pour pas rater aucune nan information cap vraiment utile ou si toutefois ou te gen idée pour te faire démarche pour joindre visa pour aller visiter pays les États-Unis. Abonnez-vous avec Chanel là, si pas de faire ça et pas oublier activer cloche là. Yon façon pour pas rater aucun nan nouveau vidéo que m'a pote pour vous. Déjà, mande pour quitter un like en bas vidéo ça si vous appréciez l'idée. Bonjour, bonsoir tous les amis Cordo Info 7. En pile détail sur question demande visa tourisme pays les États-Unis, installez-vous bien pour capable venir découvrir ensemble avec moi. N'a pas que bien avant que vous fassiez demande visa, vous supposez qu'on est quel type de visa que vous pouvez faire demande. Gain visa non immigrant et puis gain visa immigrant. Visa non immigrant, c'est plus pour les gens qui pourraient faire tourisme. Nous capable dit tout B2, gain B1 qui c'est pour voyage à faire. Et puis gain visa immigrant qui c'est pour résidence permanente. Ça veut dire que avant faire demande visa ou supposé qu'on ait tout petit détail net. Visa temporaire B2, séjour temporaire ou bien nous capable dire tourisme. Et puis gain B1 qui c'est pour homme d'affaires, femme d'affaires, étudiant, etc. Gain en pile moun tout qui toujours pose question sous ESTA. N'a faut connaître tout que gain quelques pays administration dans pays les États-Unis mettait exemption visa pour yo. Yo pas besoin visa, mais malgré tout, pour yo capable participer dans programme exemption visa, faut que yo gagne une autorisation sous système électronique autorisation voyage. ESTA même qui c'est un système électronique autorisation voyage, malgré États-Unis mettait exemption visa pour pays ça yo, y a besoin entrer sous système autorisation voyage ESTA juste pour être capable de joindre une autorisation. Sinon, malgré une exemption visa, yo pas capable rentrer sur sol américain. Donc, moi voulais parler sous question moun ki te bezwen konnen plus détail sous question ESTA. Mais c'est pas pour tout pays. Haïti pas fait partie de pays que les États-Unis exempté visa. Ça veut dire que malgré yo mette exemption visa pour yo, yo pas besoin visa pour rentrer, mais il y a besoin de gagner une autorisation de voyage. Côté que autorisation de voyage, ça, vous pouvez aller dans le système autorisation ESTA juste pour être capable de jouer une autorisation. Mais qui ça doit faire juste pour être capable de qualifier pour visa tourisme américain? Ou doit prouver réellement que ce tourisme que vous pouvez faire, c'est pas arrêté, que vous pouvez arrêter, c'est une durée de temps qui est très courte que vous pouvez passer. Que c'est pas sauver que pour aller sauver pour arrêter dans pays ça. Prouver que vous gagnez une ressource financière, prouver une attache économique qui garantit que vous allez retourner dans pays d'origine. Quand nous parlons de documents qui nécessaire que vous avez besoin juste pour capable faire processus de demande visa. Premier ça qui est vraiment important que vous avez besoin juste pour capable faire processus de demande visa tourisme. Ou a besoin rempli formulaire DS-160 là. Gen an pil moun ki toujou rencontre difficulté avec formulaire DS-160 là. N'a pas bloqué que formulaire DS-160 là li vraiment important
juste pour capable bien remplir, pas faire erreur dans ça que ou écrit yo, ou supposé bail toute information correcte, pas faire faute et puis éviter mettre information qui pas correct. Toute information yo doué en ordre et ou doué remplir formulaire ça en anglais excepté nom qui doit écrit dans langue origine. Mais à part de ça, ou doué remplir information yo en anglais. Formulaire ça, c'est un formulaire que chaque monde individuellement qui fait demande visa supposé remplir. Li te met ti moun li supposé remplir formulaire DS-160 là. Et le que ou fin remplir formulaire là, ou ap gen pou voye aller en ligne. Le ou fin remplir, ou ap mette yon signature électronique et puis ou ap voye l'aller. Et puis l'autre bagay qui est vraiment important, ou pas supposé quitter aucune question sans répondre. Ou supposé prendre toute précaution pour toute question yo répondre et puis sans faute. Et puis l'autre bagay qui est vraiment important, ou doit sélectionner dans qui ambassade que ou pral passer entrevue ça, ou supposé gagner une photo qui fait pendant 6 derniers mois. C'est pas que me dégon photo là. M'gal dépouille, m'gal dit, oh non, m'te gon photo là déjà, m'a pas besoin de faire photo. Non, c'est yon photo a besoin que ou te fait pendant 6 derniers mois. Le que ou a rempli formulaire DS-160 là, si que ou était inactif sous page là pendant 20 minutes, et bien système nan l'a annulé. Ça veut dire ou gal retourner à zéro. Ou supposé faire toute façon juste pour capable toujours être actif le que ou a rempli formulaire DS-160 là. Parce que le formulaire DS-160 là, c'est un élément clé dans le processus de demande visa. Pour suite, vous finissez rempli formulaire là, vous mettez signature électronique, ou vous recevez un code à 10 chiffres. Et code ça, là, vraiment important. Vous finissez rempli formulaire là, et puis, vous avez un code là pour vous, et puis vous imprimez dans le format PDF. Papier qui a un code là dedans là, l'important le que ou pral gen pour aller dans entrevue. Et puis l'autre bagage qui vraiment important ou a besoin gen un passeport qui valide, un passeport qui était pour pipiti 6 mois sous li pour expirer et puis ou a besoin payer frais dossier yo. C'est pour forcer un monde qui a travaille. Ou a besoin gen un lettre employeur là, dans lettre ça faut qu'il certifier qui poste ou occupé dans travail ça, qui quantité qu'on doit toucher, etc. Et puis ou a bien pour prendre un rendez-vous et m'a mettre lien côté que ou capable rentrer sous lien ça juste pour capable prendre rendez-vous bien avant que ou aller dans ambassade. Alors sélectionner dans qui ambassade ou aller, ça dépend de qui côté ou positionné bien avant que ou déplacer. Autre bagage qui vraiment important besoin, ou a besoin gagner Samuel itinéraire de voyage là. Et puis ou a besoin casier judiciaire. Pour moun ki Haïti yo, ou a besoin gen casier judiciaire cap délivré par DCPJ. Et puis si toutefois ou gen yon entreprise, ou cap marché avec papier entreprise là pour prouver que ou gen yon bien, ou bien si ou gen yon kay, ou bien tout, ça dépend de l'autre bien ou gen yon capable marcher ensemble avec lui juste pour capable prouver que ou gen yon bien dans pays ya. Pour ne pas mettre dans la tête que okay, c'est sauvé ou sauvé, c'est pas arrêté que vous pouvez arrêter dans le pays, les États-Unis. Tout ça vous avez dans la tête qui fait un pile fois que vous pas délivré mon visa, c'est parce que vous avez mal rempli le formulaire, vous avez mal répondu à la question, vous avez l'entrevue, vous avez fait un pile erreur, vous avez découvert que vous avez fait un pile erreur, vous avez pas visité, vous avez visité vrai. Donc, vous avez fait un pile erreur, vous avez fait dans le pays, les États-Unis. C'est ça qui fait un pile fois. Moun yo kon pran refus. Mais pour moun kap viv à l'étranger yo, moun ki pap viv à Haïti yo, nou gen yon ti kras chance en plus pour nou kapab jwenn visa parce que gen sa nou rele papier travail etc. et tout ça nou gen plus possibilité pour nou jwenn yo par rapport avec yon moun kap viv en Haïti. Nou konnen majorité moun en Haïti pap travail et moun à l'étranger yo tout, nou gen plus possibilité pour nou gen kòb seri la banque, en plus moun en Haïti même kanè banque yo pa gen. Donc c'était toute information ça que moi t'ai porté pour vous concernant deux demande visa tourisme pour aller dans le pays les États-Unis à visiter. Pas oublier partager vidéo ça avec un proche pour capable aider découvrir bon genre information ça yo cap vraiment utile. Et pas oublier
abonnez-vous avec la chaîne là, si vous n'avez pas fait ça pour pas rater aucune nouvelle vidéo que nous portons pour vous. Nous avons une vidéo pour nous porter pour tous. Si toutefois vous avez fait demande visa transit États-Unis, demande visa travail, etc. Abonnez-vous pour pas rater aucune nouvelle vidéo. Nous croisons dans